Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique, du SLPG. Seul le peuple gagne, ouais. Seul le peuple gagne, le peuple ou rien. Voilà pourquoi je vais aller droit au but. Cette vidéo-là, même si elle fait 30 vues, là, c'est mieux. C'est mieux. Mais pour commencer, je vais vous montrer une image avant de l'attaquer. Parce que c'est des foutaises. Tiens. C'est des foutaises. Si c'est pas des foutaises que toi tu fais là, Abdramane Sangari de merde là, hein, tu vas m'expliquer ce que tu fais. Voilà. Voilà votre Abdramane Sangari de merde. Donc Abdramane Sangari, toi tu as préparé costume blanc, lunettes qui vont avec, chemise blanche, cravate blanche, pantalon blanc, chaussures blanches. Hein? Non, tu es arrivé quoi. T'es arrivé en foutaise, quoi. Toi, Abdramane Sangari de merde, t'es arrivé en foutaise. Et toi, là, Lourougnon Odette. C'est bien toi, là, Lourougnon Odette. Toi, tu es parti chez le tailleur te faire bien coudre un ensemble qui va avec. Hein? Un ensemble qui va avec. Allez-y tous vous faire baiser. Vous pensez que ce qui se passe, là, actuellement, en Côte d'Ivoire, ça mérite ça? Ah, donc, Abdramane Sangari de merde. Pour tes vœux, là, tu es prêt. Pour tes vœux, tu es prêt. Je vais te faire savoir que nous autres, là, on a perdu des gens de notre famille en Côte d'Ivoire. De toute façon, tu as un bien blanc, là. On dirait que tu oublies que le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire est un pays souillé de sang des Ivoiriens qui ont été massacrés par les compatriotes d'Alassane Dramane Ouattara. Oui ou non, Abdramane Sangari de merde. Vous avez dit que je ne lui parle pas, je vais lui parler maintenant. Donc, pour tes vœux de merde, là. Ah, donc il y a du monde alors dans le pays. Donc, tu arrives à faire bouger du monde alors dans le pays. Toi, Michel Babo de merde. Ah bon? Donc, il y a des gens dans le pays que vous pouvez faire bouger. Vous pouvez faire bouger pour que les choses avancent. Mais non, vous ne faites rien. Toi, lui, Michel Babo de merde, avec tes lunettes là. C'est parce que quand on t'a attrapé, ils n'ont pas cassé tes lunettes. C'est pour ça que tu organises des gens. Pour cette merde d'Abdramane Sangari de merde. Donc, il y a des gens dans le pays alors, Abdramane Sangari. Il y a des gens dans le pays. Et on te voit, donc toi, tu étais assis chez toi, tranquille, à l'aise. Tu as fait repasser ton costume, tu as fait cirer tes chaussures, hein, tu as fait repasser ta cravate, tu as fait essuyer tes lunettes, hein, tu étais calé dans ton salon, tu attendais tes vœux, quoi. Et toi, Lourougnon Odette, là, tu attendais, quoi, ton ensemble était bien cousu, était prêt, donc tu attendais vos vœux de merde, politiciens de merde, allez vous tous vous faire baiser. Vous autres là, quand on parle à Michel Babo ou Abdramane Sangari de merde, vous aimez bien dire ouais, hein? Tu crois que c'est tes amis? Tu crois qu'Abdramane et toi, c'est la même chose? Je vais te dire. Si toi, tes parents sont venus au monde comme de la merde, si toi, tu sais pas dans votre famille, vous n'avez jamais su ce que vous valez dans votre famille. Si vous n'avez jamais eu de fierté dans votre famille, si vous n'êtes pas fier de vous, si vous n'êtes pas fier de toute votre famille et que vous estimez que d'autres personnes valent mieux que vous, donc vous allez les mettre devant vous et vous allez leur lécher les bottes là. Eh bien moi, ma famille là, c'est pas comme ça. Babo lui-même là, demande-lui en 96, quand il est venu à Zixo voir mon oncle, maire de Zixo, il sait ce qu'on vaut dans notre famille. Donc vous là, si vous ne savez pas ce que vous valez dans votre famille, que vous préférez mettre Michel Babo au-dessus de vous, Babo au-dessus de vous, Sangari au-dessus de vous, là, je vais vous dire. Ce sont des gens qui chient, qui pissent, qui baissent, qui tombent malades, qui tout. Et ça, là, c'est des choses aussi qui nous arrivent à nous. Et nous, là, on est venus au monde pareil que eux. Vous avez compris? Mettez-vous en bas, mais si vous vous mettez en bas, là, ne dites pas aux autres, est-ce que tu crois que Michel, c'est la même chose que toi? Michel, il est qui? Il est qui, Michel? Abdramane Sangari de merde, là, il est qui? Il chie pas? Il pisse pas? Hein? Il regarde pas les Ivoiriens en train de se faire massacrer en restant assis chez lui, à l'aise? Cette merde, je vais vous parler. Et commencez, vous allez faire, là. Vous allez faire, je vais plus faire de vidéos sur Alassane et je vais bien les insulter tous les jours. Et ça va vous plaire. Je m'en bats les couilles que vous ne regardez pas mes vidéos. Vous avez compris? Abdramane Sangari de merde, je vais te parler. Voilà une belle chose qui se passe dans le pays. Alassane est en train d'être malmené. Ahmed Bakayoko,
les Ouattaros sont en train d'être malmenés par leurs propres compatriotes, par leurs propres mutins d'hier, par des gendarmes qui sont levés, les FDS, qui se sont fait arrêter aujourd'hui là. Peut-être que parmi eux là, certains sont morts aujourd'hui où on parle. Ils ont dû faire disparaître certains. C'est le moment de te lever et de dire au moins minimum, faire de sorte que le monde entier puisse avoir le regard sur ce qui se passe au pays. Ça au moins tu aurais pu le faire. Et même faire en sorte que tous les Ivoiriens sortent, tous pour demander aussi, eux aussi d'être payés. Si des gens qui ont tué des gens sont payés, des Ivoiriens doivent être payés aussi. Parce qu'ils disent que ils ont appelé les Ivoiriens à sortir dehors pour déloger Gbagbo, pour que les Ivoiriens puissent être bien. Donc si aujourd'hui, tout le monde doit être payé là, si aujourd'hui des gens sont payés là, tout le monde doit être payé. Vous les microbes de Côte d'Ivoire, les microbes de Côte d'Ivoire, vous aussi là, vous devez sortir dans toute la Côte d'Ivoire. Ne tuez pas les Ivoiriens, mais cassez tout, demandez à ce que vous aussi on vous paye. Parce que hier Alassane il vous a utilisé, contre le FPI, contre les probabos, contre toutes sortes de gens. Vous aussi vous devez être payé. Et vous les Ivoiriens, vous êtes dans votre pays. Si des tueurs sont payés, vous aussi vous devez réclamer qu'on vous paye. Parce que votre pays a été pillé et toujours pillé. Et parce que vous avez perdu des gens de vos familles. Et je vous le dis en même temps les Ivoiriens. Aujourd'hui là, faut plus qu'Abdramane Sangaré vous appelle à des manifestations gratuites et que vous allez y aller. Tout travail mérite salaire. Ici en France, pour ceux qui connaissent la France là, tous ceux qui se sont battus pour la libération de la France là, ont été récompensés comme il se doit. Pour qu'Abdramane Sangaré vous appelle maintenant à quoi que ce soit là, qu'il vous paye et que vous soyez payé pour ça. Oui. Vous le voyez là en costard cravate, vous pensez qu'il se soucie de vous? Cette merde là, on doit pas parler à lui? Comment? Moi je suis un Ivoirien. J'ai perdu des gens de ma famille. Si toi tu as perdu des gens de ta famille et que tu t'en bats les couilles, tu t'en fous complet là, c'est ton problème. Si toi tu estimes qu'Abdramane Sangaré vaut mieux que toi, tes parents, et vaut mieux que toi-même, ça c'est ton problème. En tout cas, moi, je m'aime. Dans la vie là, c'est toujours moi et moi. Moi et ma famille. Nous là, au-dessus de nous là, c'est Dieu. Après Dieu là, c'est nous. Nous au-dessus de nous, c'est nous. Si c'est pas Dieu, c'est nous. Et on respecte tout le monde. Mais je vais te dire, personne n'est au-dessus de nous. Quoi? L'argent? J'arrive à faire mon argent. Renseigne-toi. J'arrive à faire mon argent. J'ai besoin de l'argent de personne. On parle de la Côte d'Ivoire, allez tous vous faire baiser. C'est Bijoux d'Afrique. SLPG, seul le peuple gagne. Et vous les vidéomans, on va se laisser. On avait dit qu'on laissait les attaques, hein, mais on va se laisser. Parce que vous gueulez à appeler les Ivoiriens aujourd'hui là. Voilà ce qui se passe au pays, on ne vous entend pas. La Jossi Gang d'hier, on ne vous entend pas. Oh, comment il s'appelle Pelagie Fossou, Aïle Koulsen, comment il s'appelle Iva Hippo, comment il s'appelle vous tous, de toute façon, vous tous là, on va se laisser. Big respect à ceux que j'ai vus faire des vidéos. Parce que, mais qu'est-ce qui se passe, putain? Vous ne voyez pas ce qui se passe là? Il ne faut pas laisser passer cette chose-là. Il ne faut pas laisser passer que les pro-ados, ils sont en train de trembler. Ils ont peur de perdre le pouvoir. Mais je vous le dis, bientôt, je vais faire une vidéo sur vous. Restez calme. Vous voyez, c'est comme dans un match. Quand tu es remplaçant, là, tu es assis dans ton coin et tu regardes le match. Ou quand tu ne joues pas ce jour-là, tu es assis dans ton coin et tu regardes le match. Tu attends que ton jour vienne. On vous regarde, les pro-ados. On vous regarde. Vous-même, vous savez. Vous savez dans quoi nous sommes tous. Toi, là, Tchang Le Dozo, on sait que ta famille est au pouvoir là-bas en Côte d'Ivoire. Arrête de jouer au mec qui cherche à faire la paix. Parce que la paix, là, tu n'es pas dedans. Et vous, les Ivoiriens, je vous appelle tous quand le vent va tourner. Faut pas les oublier, Tchang Le Dozo. Faut pas les oublier, les Amiral Blindé. Faut pas les oublier, les Ouattaro. Faut pas les... Tous ces gens-là, ils ont investi au pays. Il faut tout prendre. Il faut tout leur prendre. Ouais, je vais vous faire du Bijoux d'Afrique maintenant. Du SLPG, seul le peuple gagne. Allez-y tous vous faire baiser. Ouais, je suis pas la pote, l'ami de qui que ce soit. Ouais, c'est douce. Ça glisse comme dans une chatte. Ciao.